le roi. Venez, Marie-Thérèse. Souriez, ma fille, souriez. Et maintenant, monsieur, au cachot, là où vous méritez d'être. En route ! Maman, va-t'en. Allez, avancez ! Avancez ! Maman, va-t'en. J'espère au moins qu'ils vont nous mettre dans les mêmes quartiers que nous avions quand le comte d'Artois était... Parle pas ! Ah, vous aboyez ? Cet homme aboie ? Comment osez-vous ? Dame ! Mais quoi, que faites-vous ? Arrêtez ! Ne la touchez pas ! Ne la touchez pas ! Par ici, la dame, fais pas d'histoire ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Où l'emmène-t-il ? Pourquoi ? Monsieur, je proteste. Naturellement, monsieur Vaisseau. Ce que vous avez à dire maintenant n'a plus aucune importance. Plus pour moi que votre devoir. Va voir, Éléonore. Décidément, on ne peut jamais manger tranquille. Bonsoir, citoyen Desmoulins. Bonsoir, Éléonore. Robespierre est dans sa chambre. Bonsoir. Je vous accompagne. C'est moi. Maxime. Comment tu peux travailler dans ce tumulte? C'est terminé, Maxime. Le roi est démis de ses fonctions. Il y a un conseil provisoire de 6 ministres. Danton est ministre de la Justice. Étude terminée. Nous n'en sommes peut-être qu'au commencement, Camille. Il a fait un de ces froids, c'est... Allez, à toi, prends la garde. Au fond de ma conscience, je n'ai trouvé aucun réconfort. Je ne peux accepter la légalité de ce gouvernement. À Paris, je suis dénoncé comme un traître. À cause de mes opinions, moi, Lafayette. Messieurs, si en refusant de servir ces hommes, qui ont tout détruit en frappant la couronne et la Constitution, je suis un traître. Alors, laissez la calomnie triompher. Je n'ai plus ma place ici. Quant à vous, faites ce que vos consciences vous dictent. Je n'ai pas l'intention de vous influencer.
Lafayette a déserté, sire, et les Prussiens ont pris l'Anhui. Il semble que rien ne les arrêtera. Dans 2 semaines, ils seront à Paris, et vous serez libre. C'est là qu'on assemblée, mais c'est de la folie. La seule solution, c'est de faire évacuer ce gouvernement vers le sud. Et pourquoi pas à Nevers? Ah non, 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 ce gouvernement en sûreté. Non! Ce gouvernement ne quittera pas Paris. Ce gouvernement ne se cachera pas dans la peur. Ce gouvernement va rester, se battre et vaincre. Peu importe comment. Peu importe ce que cela coûtera. Il faut combattre avec chaque homme. Chaque fusil, lance ou épée, tout ce qui tombe sous la main, et que celui qui osera montrer sa peur sache que la terreur est pire encore. Pourquoi moi? Pourquoi on m'arrête? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, j'ai pas l'histoire. Et s'il faut arrêter 30 000 traîtres, ils doivent être arrêtés demain. Pour vaincre nos ennemis, nous devons montrer de l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace, pour sauver la France. Favre. Prends les arrêts de mort que j'ai remis à Camille et fais-en la liste. Camille, je veux savoir pourquoi je n'ai pas eu les rapports des commissaires spéciaux envoyés à Nevers et à Tours. Pitié pour mon fils! Prenez-moi mon frère! Assassin! Mon mari! Regarde ce que tu fais dans ton... Assassin! Mon mari est innocent! Je verrai, je verrai. Allez, viens, mon grand. Il est temps d'aller se coucher. Laisse mon oncle Maxime tranquille. Non, vraiment, il est... Il est très... Non, plutôt drôle. Enfin, comme tous les enfants, je veux dire. Surtout quand il vous réveille à 1h du matin, à 2h et à 3h30. Ouais. Camille? Tu ne souhaites pas bonne nuit à ton fils? Si. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit. Je sais ce que tu ressens, Camille. Mais nous ne pouvons pas faire une guerre avec un second ennemi dans le dos. Mais c'est notre propre peuple. Non. Notre peuple ne veut pas revenir en arrière. Notre peuple sait que nous devons gagner cette guerre à n'importe quel prix. Triomphe ce soir. Les Prussiens ont pris Verdun. Les aristocrates, les prêtres, les traîtres, les comploteurs dans nos prisons, tous attendent l'arrivée de leurs maîtres étrangers. Ce sera le signal de leur rébellion et leur ralliement aux forces du roi de Prusse. Mort aux traîtres!
envahissent toutes les prisons de Paris. Ils ne pensent qu'à massacrer quiconque est suspecté d'avoir une sympathie pour leur roi. Nom de Dieu, ce n'est plus une révolution. On tourne en dérision tout ce que nous avons essayé de changer. Tu m'écoutes? Mais oui, Camille, je t'écoute. Alors fais quelque chose! Faire quoi? Tu crois que je contrôle ces gens? Tu crois que quelqu'un peut les contrôler? Tu es le ministre, Georges! Oh oui, je suis le ministre. Et tu veux que le ministre donne des ordres qui ne seront pas exécutés? Tu préfères que j'envoie des troupes qui retourneront leur veste et se joindront à ce carnage? Tu préfères ça? C'est ça ton plan? Pour montrer au monde qui est le maître ici? Si ce n'est pas toi le responsable, alors qui est-ce? Qui? Mais tu ne sais plus, ni moi. Mais Camille, l'homme sage sait quand il n'a plus de pouvoir. Et il n'en dit rien au monde. Surtout s'il veut que le monde l'entende à nouveau. Et je le veux, crois-moi, Camille. Je le veux. Dieu bénisse le roi. Dieu bénisse le roi. Dieu bénisse maman. Dieu bénisse maman. Dieu bénisse la princesse de Lamballe. Dieu bénisse la princesse de Lamballe. Dieu bénisse la princesse Élisabeth. Dieu bénisse la princesse Élisabeth. Bonne nuit. Elisabeth. Ce qui est arrivé est un outrage, une insulte à la Révolution et à nous tous ici. Mais nous devons faire la guerre. Et tous ceux qui, en France, jusque-là, conspiraient pour nous la faire perdre, sont aujourd'hui des hommes terrifiés. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ennemis sur nos arrières. Et c'est un avantage. Je ne veux en aucun cas le perdre. Aujourd'hui, notre armée peut affronter les Prussiens sans craindre les amis du roi à Paris. Thank you.
À mon commandement, feu! En ce jour mémorable où la Convention nationale, élue par tous les Français, se réunit pour la première fois, je mets aux voix la proposition du citoyen Collot d'Herbois, proclamée à la face du monde que la monarchie est abolie en France. La motion est adoptée. Je propose que la nouvelle constitution de la République, élaborée par cette convention, soit soumise au peuple français comme un tout pour être approuvée. La motion est adoptée. Je propose... S'il vous plaît, citoyen Biot-Varenne, venez à la tribune. Je peux dire ce que j'ai à dire d'ici. Je demande... qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents publics soient désormais datés de l'an 1 de la République française. Je t'admire. Mais je suis inquiet. Tu es un chef. En ce moment, le chef de la République révolutionnaire. Et en même temps, comme par instinct, tu te rapproches des députés les plus conservateurs. Oh, c'est compréhensible. Bien sûr. Comme Mirabeau avait l'habitude de le dire, le plus dur n'est pas de commencer une révolution,
mais de savoir l'arrêter. Et ? En même temps... Nous essayons tous de trouver un juste milieu. Franchement, Georges, je te parle en ami. Je dois te prévenir. Tu es devenu riche. Tu es puissant. Et tu es aussi populaire. C'est une situation dangereuse, par les temps qui courent. Les riches ont peur de ton pouvoir et de ta popularité. Ils vont donc essayer de t'abattre. Les pauvres, de leur côté, te pardonneront ta richesse, mais seulement si tu les aides à mener la révolution à sa conclusion juste et naturelle. Et une conclusion juste et naturelle. La mort du roi. C'est ça que tu veux? Je ne souhaite pas nuire au roi, ni à aucun membre de sa famille qui en profiterait. Mais la guerre n'est pas terminée. Nous pourrions arriver à une situation où il sera impossible de sauver à la fois le roi et la révolution. Face à ce dilemme, il faudra choisir. Et nous devons savoir quel sera notre choix si nous y sommes forcés. Tu n'es pas d'accord? Ton chapeau. Oh, merci. Bonne nuit, Jean. Bonsoir. Ça ne va pas? Il a raison. Il a toujours raison. J'aimerais seulement ne pas avoir envie de lui tordre le cou. N'aie crainte, je n'en ferai rien. Bon. À moins qu'il ne m'y force. Je demande la parole. Non, c'était à moi. Non, c'est mon tour. Je demande la parole. Pourrais-tu me rappeler ton nom, citoyen? Saint-Just. Je représente le département de l'Aisne. Monte à la tribune, citoyen Saint-Just. Citoyen, citoyen! Je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, donneraient avec joie leur vie pour cette République. Je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, ont fait et feront face à tout ennemi qui menacerait cette République. Je suis de ceux qui, comme vous tous, connaissent le nom et le visage de cet ennemi. Je suis de ceux qui, comme personne ici, sont prêts à abattre cet ennemi. Tant qu'il vivra, Louis Capet sera un signe de ralliement pour les traîtres qui continuent de se cacher parmi nous. Et pour tous les ennemis qui attendent à nos frontières le moment de nous écraser. Au nom de tout ce que nous avons accompli, nous ne pouvons pas faiblir. Nous ne pouvons pas hésiter. Nous ne montrerons que faiblesse et hésitation tant que l'héritier d'une longue lignée de tyrans restera en vie et en notre pouvoir. Citoyens, un roi n'est pas un homme ordinaire. C'est un rebelle, un usurpateur des droits d'hommes ordinaires. Un roi doit régner ou mourir.
Mes compliments, Charles. Est-ce que tu sais que tu as une belle écriture, que tu lis aussi? L'enfant, emmenez-le. Puis-je savoir pourquoi? Ces messieurs de la convention désirent vous parler. Bien joué. Nous continuerons plus tard. Messieurs, que puis-je pour vous? Mon nom est Chambon, maire de Paris. Il est de mon devoir de vous informer que la convention a pris la décision de vous assigner devant un tribunal. Je vois. Sous quelle accusation? L'accusation sera portée à votre connaissance en bonne forme et en son temps. Vous avez la possibilité de choisir votre avocat. Mais avant et pendant le procès, vous n'aurez le droit à aucune communication avec votre famille. Certainement, monsieur, vous ne m'interdirez pas le fait de voir mes enfants. Vous pourrez, si vous insistez, recevoir la visite de vos enfants. Et dans ce cas, il leur sera interdit toute communication avec leur mère et leur tante. C'est un choix difficile. En fait, je n'ai pas le choix. Ainsi soit-il. Vous m'avez tout pris. C'est naturel que maintenant vous preniez aussi mes enfants. Je suis en votre pouvoir, messieurs. Alors simplement, dites ce que vous attendez de moi. Vous asseoir. La Convention nationale, en vertu de la souveraineté qui lui a été conférée par le peuple français, est chargé d'énoncer les crimes de Louis Capet. Tentative de corruption des députés, à commencer par Mirabeau. Tentative d'évasion. Massacre du Champ de Mars. Après votre retour de Varennes, le sang des citoyens était versé au Champ de Mars. Une lettre prouve qu'il existait une conspiration criminelle entre vous et Lafayette. Qu'avez-vous à dire? Je ne savais rien de cette malheureuse affaire du Champ de Mars. Quant à la lettre dont vous me parlez, je n'en ai pas eu connaissance. Mais elle est de votre main? Je ne me souviens pas l'avoir écrite. C'est incroyable. Vos frères, ennemis de la nation, ont rallié les émigrés sous leur drapeau. Ces émigrés-là font la guerre à la France. Vous ne les avez pas désavoués? Mais si, monsieur. J'ai désavoué toutes les actions de mes frères aussitôt qu'elles ont été portées à ma connaissance. Après vous être d'abord assuré que vous ne feriez pas de tort à leur projet. Vous êtes libre de vos opinions. Alors là, l'exagère. Il est prouvé que vous avez appelé les régiments qui défendaient la patrie à déserter. Jamais, monsieur. Jamais. Vous avez opposé votre veto au décret contre les prêtres réfractaires. Comme la Constitution m'en donnait le droit. Pourquoi avoir fait doubler la garde suisse aux Tuileries au début du mois d'août? Parce que le palais était menacé, j'étais une autorité constituée, il était de mon devoir de prendre des mesures défensives. Non,
le 10 août, vous avez fait couler le sang des Français. Non, monsieur, ce n'est pas moi. Avez-vous fait construire une armoire avec une porte de fer aux Tuileries dans laquelle... Il sait que c'est sans espoir, mais il a du courage. Je n'en ai jamais eu. Je l'admire. Faites vite, j'entends la garde. Que dit-il? Il va bien. Le procès avance lentement. Nous ne devons pas trop espérer. Lanterne, qui veut mes lanternes? Mes lanternes, qui veut mes belles lanternes? Et encore, la captation n'est pas complète. On verra ça dans quelques jours. Je me demande si la chérie va. Il est plus là, il est là. Allez, faites vos jeux. Louis, nous avons entendu l'appel à la clémence de votre avocat. Avant que l'Assemblée ne rende son verdict, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui, monsieur. C'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à vous. Je déclare que j'ai la conscience tranquille. Mais ce qui blesse mon cœur, par-dessus tout, c'est d'avoir été accusé et d'avoir fait répandre le sang du peuple. J'ai tant aimé le peuple français. Et je croyais avoir donné tant de preuves de cet amour que jamais je n'aurais pu imaginer avoir à répondre à de telles accusations. Voilà, messieurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Je t'ai dit qu'on va te condamner, moi! Je t'ai dit qu'on va te condamner! Je t'ai dit qu'on va te condamner! Voilà l'ami du peuple! Mauvais joueur! Demandez l'Isée, l'ami du peuple! Demandez l'ami du peuple! Carnot, c'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi. Je vote la mort. Collot d'Herbois. La mort dans les 24 heures. Vergniaud. La mort. Mais je demande qu'il soit sursis à l'exécution. Lindet. Ceux qui hésitent à frapper un tyran ne méritent pas le nom de républicain. Je vote pour la mort. Marat. La mort. Saint-Just. La République ne doit montrer aucune faiblesse. La mort. Brissot. La mort. Avec sursis. Robespierre. Je suis inflexible pour les oppresseurs. Parce que je suis compatissant pour les opprimés. La mort. Ouais. Desmoulins. Je vote la mort. Danton. La mort. Indonos inducas intentationem. Sed libera nos a malo. Amen. Priez Dieu qui me soutient jusqu'à la fin. Je suis prêt.
Maximilien. Vous ne pouvez rien voir, les volets fermés. Non. Laisse-les fermer. Laisse toute la maison fermée. Il se passe aujourd'hui quelque chose qui n'est pas convenable que tu vois. Citoyen. Dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Mangez ça et faites-les briller. Très bien, citoyen. Papa ! Antoine, mon garçon ! Hey ! Maman. Georges ? Oui, Gabriel ?
Gabrielle. Elle est morte il y a 3 jours. Courage, Georges. C'est arrivé si vite. On ne sait pas ce qui s'est passé. Nous sommes avec toi. Désolé de te rappeler de mauvais souvenirs. Je sais que c'est un moment difficile pour toi. Crois-moi, je comprends. Tu m'as écrit une très belle lettre. Elle m'a fait beaucoup de bien. Oui. Je suis toujours plus à l'aise quand j'ai du temps pour penser avant de parler. Comme tu as pu le constater. Tu devrais parfois essayer de parler plus avec ton cœur et moins avec ta tête. Le fait est que nous avons à faire face à des émeutes de la faim ici, à des rébellions dans l'Ouest et à la guerre qui tourne mal. Pendant un moment, nous avons cru avoir écrasé l'opposition, mais elle renaît comme une maladie incurable. Des hommes qui avaient accepté la révolution, qui ont tout au moins reconnu qu'un changement était nécessaire, se sont maintenant retournés contre elle. Ils veulent une révolution respectable, un gouvernement modéré. Nous devons faire face, Georges. Ce sont les modérés qui sont maintenant nos ennemis. Nous y ferons face. Le tout est de savoir comment. Temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Dans une situation de péril, le processus légal ordinaire n'a plus sa place. Personne n'a un plus grand respect de la loi que moi, comme tu le sais bien. Mais si la loi cesse d'accomplir ce pourquoi elle a été créée. Une justice sommaire. C'est ça que tu veux. Ce que je veux, c'est un nouveau tribunal révolutionnaire. On nous traite déjà de dictateurs. Ils en profiteront pour en rajouter. Nous n'avons plus le choix. Tout au moins jusqu'à ce que nous ayons repris la situation en main. Tu sais que j'ai raison. Tu as toujours raison. Et je sais qu'il n'y a que toi qui puisse faire changer d'avis ceux qui à la Convention s'y opposeront. Nous devons travailler ensemble, Georges. Nous pouvons le faire. Tu vois, tu parles avec ton cœur et là, tu m'as convaincu. Non. Jamais de la vie, un tribunal révolutionnaire. C'est l'Inquisition espagnole, mais en 1000 fois pire. Et les massacres de septembre vont reprendre, mais cette fois, ce sera sous le couvert du gouvernement. Non, au contraire. Les massacres de septembre ont eu lieu parce que le peuple croyait que la Révolution n'avait pas de défense contre ses ennemis. Et pas de contrôle, justement, sur le peuple quand il choisit de se comporter comme un troupeau de bêtes sauvages. Ils ont souillé la conception généreuse de notre révolution. Oui, exactement, ça tu as raison, je ne discute pas, mais la révolution avec ce tribunal prouvera au peuple que nous sommes capables de faire juger légalement tous nos ennemis, y compris ceux qui voudraient détourner la loi à leur profit. Les prêtres réfractaires travaillent partout dans l'ombre pour rétablir le fils du tyran. C'est le seul moyen que nous ayons d'empêcher les massacres à l'aveuglette, au lieu de les encourager. Fais-moi confiance. Rendre coup pour coup, je demande 100 000 têtes. Faites tomber 100 000 têtes. L'épouvante paralysera nos ennemis.
Très bien. Les Girondins soutiendront votre tribunal si la première chose que tu fais est de traduire ce fou devant lui avant qu'il ne fasse plus de dégâts. D'accord. Danton a fait arrêter Marat. C'est incroyable. Vos noms, prénom, âge, qualité, lieu de naissance. Acquitté. Mais bien sûr. Danton le savait quand il a accepté son arrestation. Aucun tribunal révolutionnaire, mon cher Camille, ne condamnera un révolutionnaire. Mais maintenant, nous avons le tribunal. Morisot, que fais-tu dans mon bureau? Si vous croyez pouvoir me tromper, moi et les Girondins, vous en tirez comme ça, vous faites erreur. Votre ami Dumouriez est passé aux Autrichiens, or vous l'avez protégé. Vous êtes donc un traître. Et comme tout le monde le sait, un voleur! Je vais le prouver! Dehors! Vous tous! Voile-moi tout ça, Dominique. Ils ne sont pas aussi faciles à chasser la prochaine fois. Prenez soin de lui. Je reviens. Voulez-vous que je continue la lecture de l'histoire que nous avons commencée hier? Je l'ai oubliée. Bien. Alors je reprends. Dès le début. Non, c'est du temps perdu. Je n'arrive pas à me concentrer. Ma chère, vous devriez essayer. Faites un effort, ne serait-ce que pour les enfants. Que voulez-vous que je fasse? Parler d'espoir, leur mentir? Oui, s'il le faut. Ne touchez pas! Qu'est-ce que vous faites? Désormais, l'éducation de l'enfant doit être confiée au citoyen Simon. Non! Lâchez-le! Non! Le conseil municipal l'a décidé, on exécute les ordres. Allez, viens, on fera toi un bon cordonnier. Excellent, Camille. Excellent. Ah. Tu n'as rien perdu de ton style. Ça arrangera bien les choses. Maxime? Merci, Lucille. Bonne idée. C'est très aimable à toi. Affichez-vous, suivez-moi. Maman, je vais t'attraper. Calomnieux. Et qui plus est, faux. Ni faux, ni calomnieux. Oui, les mots sont de Camille, mais je reconnais tes idées. Brissot et la Gironde souhaitent une république fédérale imitée sur les modèles suisses ou américains. Ils ne croient qu'au compromis.
La grande république que nous avons déclarée en France doit être une et indivisible, si elle veut survivre. Et alors, qu'est-ce que tu vas me demander de faire, maintenant? Rien. Tu n'as rien à faire. Reste à l'écart comme je le ferai. Et laisse la commune de Paris faire le travail. Tu as déjà fait de nous des alliés. Et cette fois, tu veux faire de nous des conspirateurs. Je t'avertis. Je ne suis pas comme toi. Et je ne le serai jamais. Je sais que tu as accepté des pots de vin. Comment pourrais-je ignorer? Je sais que toutes les accusations de tes ennemis sont bien fondées. Est-ce que tu m'as jamais entendu te condamner pour cela? Mais toi, toujours pur, tu n'as jamais rien accepté. Jamais. Tu aurais pu. Et à maintes reprises. Comment me fier à un homme qui ne désire rien? Tu peux me faire confiance pour te dire la vérité. Au moins, telle que je la vois. Et en ce moment, la vérité est que le peuple de Paris, ton peuple, pas Brissot et les modérés, est ton meilleur ami. C'est pourquoi il serait judicieux de ta part de ne pas te mettre en travers de son chemin. Ou du tien. Tu viens juste de dire que je ne désirais rien. Oh non, pour toi-même. Mais tu es plus dangereux que ça. Oui, tu veux ce qui est juste pour nous tous. C'est la tête de Brissot que je veux. Alors je te suivrai. J'ose espérer que nos collègues seront rassurés sur leur liberté. Ils sont sortis pour rencontrer le peuple et ils ont vu que le peuple n'avait pas l'intention de leur nuire. Où veux-tu en venir? La commune de Paris a dénoncé 22 traîtres qui siègent parmi nous. Je demande leur arrestation immédiate. Citoyen président, je vois ici Chaumette et Hébert,
qui représente la Commune de Paris. Il serait convenable que cette convention leur accorde son respect et toute son attention. Je leur demande de faire connaître à la convention les noms de ceux qu'ils dénoncent. Vous n'oseriez pas ! Je demande que cette liste puisse être lue sur le champ. Et je demande l'arrestation de tous ceux que l'on va nommer. Eh bien, qu'attends-tu, citoyen président ? Barbaro ! À mort! Rousseau! Non! Renonçon! Cambon! À mort! Gardieu! Jansonnet! Romer! Gorsas! Écoutez-moi, la convention est dominée par des fous et par des criminels. Des mots durs, je l'admets. Mais comment appeler autrement des hommes tels que Marat, qui peut réclamer 100 000 têtes aussi facilement que l'on dit bonjour ? Ce sont ces hommes qui menacent de transformer le pays en un immense charnier. À moins que le vrai peuple de France, la grande majorité des gens honnêtes et sains d'esprit, ne se lèvent et reprennent le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Voir qui c'est. Que voulez-vous ? Je suis la citoyenne Cordée. Je viens voir Marat. Non, c'est impossible, il est malade. Il ne voit personne. J'arrive de Caen. J'ai des informations importantes sur les projets des Girondins. Il faut que je le voie. Et je vous ai dit qu'il est malade. Qu'est-ce que c'est, Simone ? C'est une femme qui arrive juste de Caen. Elle dit qu'elle a des nouvelles au sujet des Girondins. Fais-la entrer. Il est très faible. Vous ne devez pas rester plus de 5 minutes. D'accord ? D'accord. Vous arrivez de Caen ? Oui. J'ai des choses à vous dire. Oui, je sais. Caen est devenu un repère de traîtres. Combien de députés fédéralistes y sont réfugiés ? 18. Voilà leur nom. Oui. Ils seront bientôt morts. Vase de pierre se trouve le cœur du grand Marat. Il restera toujours ici, en sa mémoire. C'est le cœur d'un grand homme. Un cœur qui inspire la peur à tous les traîtres. Et c'est la main d'un traître qu'il a arraché à l'amour de son peuple. Mais je vous promets, à vous, son peuple, ses amis,
que les causes pour lesquelles il a toujours combattu survivront. J'ai demandé personnellement à la Convention la construction de greniers où le grain sera gardé pour le protéger contre les spéculateurs et tous ceux qui voudraient affamer le peuple à leur profit. Je te félicite, Maxime. Je suis très heureux pour toi. Merci, Camille. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, bravo, mon ami. Mes félicitations, Robespierre. Bravo, citoyen Robespierre. Sincèrement. Eh bien, tu prends ça très calmement. Franchement, je suis soulagé d'avoir quitté le comité de salut public. Comme lui, d'être débarrassé de moi. Robespierre est plus fait que moi pour ces réunions assommantes. Et maintenant? Je vais aller pêcher. C'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Est-ce que tu penses revenir? Non, non, sauf si c'est nécessaire. Viens me voir. C'est bien. Messieurs, le comité de salut public va commencer ses travaux. C'est l'heure. Bon. Allez, avance. Qui vous a fourni la voiture dans laquelle vous êtes parti pour Varennes avec votre famille? Un étranger. De quelle nationalité? Suédoise. N'était-ce pas ce Fersen qui demeurait rue du Bac, à Paris? Oui. Comment? Oui. Faites entrer le témoin Hébert. Vos noms, prénoms, âge et qualité? Hébert, Jacques René, 36 ans, journaliste, substitut du procureur de la commune de Paris. Jurez devant la nation et devant les hommes de témoigner sans haine et sans crainte. Jurez de dire la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Faites votre déposition. Les faits que j'ai à exposer devant le tribunal révolutionnaire sont de nature délicate, mais ils doivent être rendus publics. On sait que la commune, désireuse que le jeune Capet reçoive une éducation digne d'un républicain, l'a confié aux soins d'un excellent patriote, cordonnier de son État, le citoyen Simon. Nous avons une déposition du dit Simon, qui a surpris l'enfant se livrant à des pratiques indécentes, nuisibles pour sa santé. Simon lui a demandé qui lui avait enseigné ce comportement honteux. Et l'enfant a répondu que c'était sa mère et sa tante. Silence! Continuez votre déposition. Conformément à la déclaration faite par le jeune Capet en présence du maire de Paris et du procureur de la commune, il apparaît que ces deux femmes le faisaient souvent coucher entre elles. Que là, dans ce lit, il se commettait des actes de la débauche la plus effroyable. Accusé, qu'avez-vous à répondre? Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas parce que la nature elle-même rejette une telle accusation. J'en appelle à toutes les mères qui sont présentes ici. J'en appelle à vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mmh.
Antoinette, avez-vous quelque objection à formuler quant à l'application des lois citées par l'accusateur public? Le tribunal, après la déclaration unanime du jury, condamne la dénommée Marie-Antoinette, dite Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet, à la peine de mort, et déclare, conformément à la loi du 10 mars dernier, que ses biens soient confisqués au bénéfice de la République, et ordonne qu'à la demande de l'accusateur public, le présent jugement soit exécuté place de la Révolution, et qu'il soit imprimé et affiché dans toute l'étendue du territoire de la République. Merci, Rosalie. Merci pour tout. C'est l'heure, citoyenne. Peut-être j'ai peur de ne rien comprendre, Maurice. C'est sans doute cette peur qui trouble mon sommeil. J'ai fait appel aux instincts les plus nobles du peuple et je suis trahi parce que je ne comprends pas le peuple. Personne en France n'inspire plus de respect que vous. Mais il résiste encore à la Révolution. Par milliers. Il y a une armée royaliste en Vendée. Plus qu'une armée. C'est toute une population. Est-il possible que le peuple soit traître? Ils ne comprennent pas. Il faut encore leur apprendre beaucoup de choses. Et pourtant, c'est moi qui apprends quelque chose, Maurice. J'apprends que la vertu, si elle veut triompher, doit s'accompagner de la terreur. Puisque la vertu est sans faille, alors la faille doit se trouver chez l'homme. Mais je ne peux pas le croire, je ne peux pas.
Pourtant, il le faut. Pour sauver la révolution. Le propos de cette loi est clair, citoyens. Nous connaissons nos ennemis. Ceux parmi nous qui continuent à souhaiter que nous perdions ces guerres. Mais ils ne se moqueront plus longtemps de nous en proclamant que nous ne pouvons pas prouver leur trahison. C'est simple. Obligeons-les à prouver leur propre innocence. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. D'élargir le rôle du tribunal révolutionnaire. Pour le moment, seule une section siège régulièrement. Nous proposons d'en ajouter trois autres pour aider à mener à bien cette importante tâche patriotique. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour. Et la vertu, citoyens, la vertu sans laquelle la terreur est funeste. La terreur sans laquelle la vertu est impuissante. A te che mutua caritate sempar viva. Marié par un prêtre réfractaire. Oh, tu vas m'envoyer à la guillotine, hein, petite friponne. Ne dis pas ça. Ah, la révolution, en ce qui me concerne, est terminée. Ma vie est ici, avec toi et mes enfants. Et tu m'en feras d'autres, hein. Je laisse la politique au fou. Ma seule folie, c'est toi. Louise. Je suis Camille Desmoulins, un ami du citoyen Robespierre. Ça va. Merci. Personne n'a été condamné sans motif. Maxime, les gens sont en prison parce qu'ils ont dit bonjour une fois à un prêtre réfractaire. Ou parce qu'ils disent du bien de Mirabeau, ou parce qu'ils ont de la famille à l'étranger. Parfois, tu es naïf comme un enfant, Camille. Dois-je te rappeler que nous sommes toujours en guerre? Justement.
Nos armées ont exterminé des milliers de personnes en Vendée, un peuple entier. Des traîtres et des rebelles. Nous sommes en train d'étrangler la liberté dans son berceau, Maxime. Si nous faiblissons maintenant, tout ce que nous avons construit s'effondrera comme un château de cartes. Ben peut-être nous n'avons rien construit. C'est juste un rêve. Ça fait peur. Je ne peux pas lui parler. Il est isolé de tous, sauf de ses amis du comité. Il voit des ennemis partout. La situation est démente et elle empire. Tout ça va me manquer. Sans arrêt. Place de la Révolution, les gens se sont plaints de l'odeur du sang. On l'a déplacé vers la Bastille, c'était la même plainte. En plus, les gens disent que ça dévalorise leur propriété. On l'a déplacé 4 fois, c'est toujours le même problème. Alors finalement, ils la remettent d'où elle est partie. Général, je veux votre rapport demain matin. Oui, citoyen. Danton est de retour. Avec Desmoulins. J'ai peine à reconnaître cet endroit. C'est devenu un véritable repère de factions rivales, de mensonges et de démence. À l'extérieur, je vois des églises que l'on profane, des prisons pleines de pauvres diables, dont le seul crime est de ne pas être fanatique. Est-ce là cette république que nous avons décidé de créer? Je propose, en première urgence, que la Convention mette en place un comité de clémence pour examiner la liste de tous ces suspects qui sont en prison et déterminer s'il y a une quelconque raison de les y maintenir ou non. Au moment où la République combat pour sa survie, que propose le citoyen Danton contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur? Point d'interrogation. Rien de plus qu'un abandon à la corruption. Corruption qu'il a déjà rendu riche. Il ne va pas imprimer ça? Pourquoi pas? Si Danton voit qu'il peut revenir et recommencer ses combines, il se trompe. Nous l'arrêterons par tous les moyens. Y compris la vérité. Regarde, Ras. Cheval. On va le faire galoper. Ah, il a grandi, hein? Votre petit Horace. Louis est adorable. Je vous félicite. Je suis heureux, si vous l'aimez. Tu as vu ça? Non. Ce trousseur de nonnes, cette fange, ce chassieux ramassis d'infâmes humeurs organiques.
cet excrément, ce tas d'immondices infectes. Seul Hébert pouvait prendre toute une page pour me couvrir de merde. Mais nous lui réservons une réponse. Allez, à l'ouvrage, Camille. Tu ne dois pas le sous-estimer, Georges. Même Robespierre est prudent avec Hébert. Bien sûr. J'arrive, M. Cornelier. Je continue de le dire à Innocent. Je vous tiens au courant. Ni Hébert ni Danton ne s'arrêteront tant que l'un d'entre eux ne sera pas éliminé. Il s'agit de savoir lequel des deux soutenir. Toi et moi. J'accuse Danton d'être un voleur. J'accuse Danton d'être un voleur, un profiteur. Et d'avoir trahi la Révolution. Tu as une preuve? À quoi bon prouver ce que nous savons tous? Alors, je propose qu'une commission de 12 membres soit désignée pour examiner à fond les accusations portées contre moi. Voilà. On peut faire confiance à un voleur pour se cacher derrière la loi. Être. Puis-je avoir la parole, citoyen président? Citoyen, t'écoute. Une commission pour examiner la carrière et l'intégrité du citoyen Danton. Oui, oui! C'est une idée intéressante. Une idée à laquelle je suis personnellement favorable. On a dit que ni l'Angleterre ni l'Autriche ne sont les véritables ennemis de cette République. On a dit que le pire de nos ennemis est Danton. On a dit que le citoyen Danton souhaite uniquement détruire la République et rétablir à sa place une monarchie avec lui-même comme régent. C'est un terrible crime, si cela est vrai. Et Danton en est accusé. Mais si vous accusez Danton, citoyen, Danton, qui a servi cette République mieux que quiconque parmi nous. Alors je vous dis que vous devez m'accuser moi aussi. Non, non, non. Et je vous dis que ces accusations sont aussi fausses et frauduleuses que les menteurs et les hypocrites qui les formulent. Non. Et moi, Robespierre, je les dénonce. Et je les condamne. Vive Robespierre ! Maxime ! Bravo, Danton. C'est bon de te revoir, Robespierre. Tu nous as beaucoup manqué. Pas à tout le monde, semble-t-il. Merci pour ce que tu viens de dire. Nous sommes tous menacés par des fous comme Hébert. Mais aussi, n'attendons pas que les fous prennent possession de l'asile. Il faut nous voir. Nous devons parler, toi et moi. J'ai appris que tu t'étais remarié. J'en suis très heureux pour toi. Je vais te la présenter. Je l'espère. Fais mes amitiés à Lucille et au petit Horace. Bien sûr. Merci, Maxime. Il est enfin revenu à la raison, Georges. J'ai cru que c'était trop tard, mais si vous pouviez travailler ensemble, tout irait très bien. Thank you.
fanatique, parce que je demande la mort pour les profiteurs et les ennemis de la révolution. Mais comment peut-on être modéré quand on cherche la liberté? Peuple de Paris, peuple de Paris, il ne nous reste qu'une seule voie, une arme, que Robespierre et les amis de Danton ne pourront jamais nous enlever, l'insurrection. Doit laisser tomber Danton. Non, je n'ai pas d'accord. Mais enfin, pourquoi avez-vous donc pris la défense de Danton au club des Jacobins? Robespierre doit s'expliquer. Pourquoi avez-vous défendu Danton contre Hébert? Ils sont aussi mauvais l'un que l'autre. Couton a raison. Il faut les arrêter tous les deux. Si nous les arrêtons ensemble, nous risquons de les unir. Auquel cas, ce comité perdrait la majorité à la convention. Pour traiter avec Hébert, nous avons besoin de Danton comme allié. Plus tard. Je propose de mettre au voie l'arrestation d'Hébert. Quels sont ceux qui sont pour? Qu'est-ce que c'est? Venez, Hébert. Oui, quoi? Vous êtes en état d'arrestation. Sur l'ordre de qui? Du citoyen Fouquier-Tinville, procureur général. Pour quel motif? Conspiration pour restaurer la monarchie. La monarchie? Horace, tu vas être tout beau, tout frais. On va aller au jardin, tous les deux. Oui, génial. Tu vas te promener? Oui. Quel gros souci? L'arrestation d'Hébert. Hébert représentait une menace. Maxime fait simplement ce que je l'ai supplié de faire depuis des mois. Mais le qualifier de monarchiste? Si la vérité est devenue aussi vide de sens que cela, alors personne n'est à l'abri. Ni toi, ni Georges. Écoute, il faut juger Maxime sur ses actes, pas sur ses paroles. Il a besoin de Georges comme d'un allié, pas comme d'un ennemi. Maintenant, je dois aller travailler. Ne t'inquiète pas. Tout ira très bien, tu verras. Moulin s'égare. Ces appels constants à la clémence ne sont rien de moins qu'une attaque contre le comité lui-même. Nous ne pouvons pas l'admettre. C'est la voix de Danton. Camille est trop facilement influençable. Ceux qui s'opposent à la terreur n'ont pas de désir pour la vertu. Et c'est un crime contre la République. Il faut sauver Camille. Il faut lui faire comprendre qu'il a tort. Bonne nuit, Antoine. Avertissement, citoyen. Si vous n'aviez pas des amis puissants, vous seriez déjà mort.
s'est passé? Dis-moi. Pourquoi aurait-il fait cela? Je ne comprends pas. C'est mon plus vieil ami. Il a la gentillesse de m'avertir. Je t'ai dit de pas te fier à Maxime. Mais c'est... c'est si lâche. Tu as raison, Lucille. Ne prenons pas ce que dit Robespierre pour argent comptant. Il faut que tu sois très prudent, Camille. L'amour de la patrie ne peut pas exister là où il n'y a ni pitié ni amour pour un seul de ses citoyens. Seulement un cœur sec et flétri par un sentiment d'autosatisfaction. Comment quelqu'un que j'ai tellement essayé de protéger peut-il? C'est un défi. Il vous défie. Chacun le sait. Il ne s'agit pas de mon orgueil. Ce n'est pas une attaque contre vous seul, elle est dirigée contre le comité. Contre tout ce pourquoi nous travaillons. Je sais. Je comprends. Bonsoir, Maxime. C'est au premier. Mais je sais. Attends. Mes amis. Mes amis, nous avons un invité inattendu. Bonsoir. Robespierre. Un plaisir, comme toujours. Fais-moi l'honneur de profiter de ma voiture, citoyen. Je préfère marcher. Excellente idée. Tu as raison, comme toujours. Camille se remet bien. Je pense que tu seras heureux de la prendre. Il se remet? Oui, de la rossée qu'il a reçue. Une rossée? Oui, un avertissement pour son acharnement à s'opposer à ta politique. M'accusez-vous de vouloir... J'ai bien essayé de le prévenir. En ami, non? Je ne sais rien de tout cela. Pardonne-moi si je me suis trompé. Je crois que nous devrions nous dire bonne nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé entre toi et moi? Nous qui avions souhaité les mêmes choses? Nous n'avons jamais souhaité les mêmes choses, vous et moi. Liberté, justice, égalité? Des mots. Vous n'avez jamais compris que si ce n'est la simple vertu du peuple qui seul nous guide?
la vertu du peuple. Bien pas l'abstraction. Vous, bien sûr, pensez que chacun est aussi corrompu que vous-même. À tes yeux, la seule preuve de vertu est une totale obédience à Maximilien Robespierre. Ceci ne rime à rien. Permettez-moi de vous dire bonne nuit. Laisse-moi te dire ce que tu es en train de faire à ce pays avec ta foutue vertu. Tu lui fais ce que je fais à ma femme le soir. Sauf que elle, elle adore ça. Et elle n'a pas besoin d'être tenue couchée en hurlant sous la menace de la guillotine. Danton, votre réputation d'homme brutal, grossier, vulgaire est bien méritée. Et pas la tienne. Tu n'as pas de couilles, Robespierre. Tu es un eunuque. Hors de mon chemin. Alors, comment ça s'est passé? Il m'est arrivé d'être plus diplomate. Le comité aurait-il peur de cet homme? C'est intolérable! Danton a beaucoup de partisans, voilà la vérité. Et vous le savez, citoyen. Danton pense qu'il est trop puissant pour être attaqué. Et si nous sommes maladroits, il aura raison. La surprise est notre meilleure, peut-être notre seule arme. Je pense que nous sommes tous d'accord pour que l'arrestation de Danton entraîne celle de Camille Desmoulins. C'est inévitable. Nous sommes d'accord sur ce point. J'accepte la volonté du comité. Enfin, Georges, tu es en train de leur porter ta tête sur un plateau. Tu ne peux pas faire ça. Ma tête est plus fermement fixée à mes épaules que tu ne l'imagines, le gendre. Je sais pas, moi, pour l'amour de ta femme ou... Non, je ne partirai pas. Bon, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que Danton reste en vie. Avec envie de continuer ce combat. Il y a eu bien trop de batailles, déjà, et... des morts inutiles. Je ne veux pas en rajouter. Pas moi. Alors qu'est-ce que tu vas faire? S'il m'arrête, très bien. Il faudra qu'il me juge. Mais si jamais il me juge, je te promets, le gendre, c'est eux qui paieront et tu sais où on les retrouvera. Au banc des accusés. Et après cela, je regagnerai ma chère campagne et j'irai à la pêche. Quand on aime pêcher toute une journée au bord de la rivière, on ne choisit pas de gâcher sa vie en politique. Quel fou j'ai pu être. T'inquiète pas! Devant la
Attendez dehors. Je reviendrai vite. Je suis l'homme le plus heureux de France. Qu'est-ce que vous attendez? Allons-y. Écartez-vous. Écartez-vous. Maxime, je vous en prie, écoutez-moi. Comment pouvez-vous faire ça à Camille? Votre plus vieille amie? Comment vous pouvez oublier ce que vous avez été l'un pour l'autre? Maxime, je vous en prie. Maxime, je vous en prie. Vous êtes le parrain de notre enfant! Maxime, écoutez-moi! Dites-moi quelque chose! Maxime! Maximilien! Silence! Ou je vais évacuer la salle! Il me semble que vous auriez du mal, non? Je rappelle aux accusés le respect qu'ils doivent à cette cour. Et moi, je rappelle au citoyen président tout le respect qu'il doit à la justice. Ouais. Aucun accusé n'a été informé en bonne et due forme du délit dont il est accusé. Ouais. Silence. À ce bon. Je veux affronter et confondre mes accusateurs devant le peuple. Et quand j'aurai fait cela, alors je me ferai une joie de plaider la clémence pour ces hommes avant votre châtiment. Mais pour l'instant, j'exige que l'on m'écoute. Vous êtes accusé, Danton, d'avoir été payé par les conspirateurs les plus fanatiques contre la liberté. Je n'ai jamais été acheté. Je n'ai pas de prix. Personne ne peut se payer, Danton. Et je défie mes accusateurs d'apporter la preuve que l'on ne m'est jamais payé. Casseront les dents. Alors? Ouais. Le jury a été trié sur le volet. Oui, mais s'ils ont peur d'être mis en pièces par la foule, ils vont certainement les acquitter. Longues années de conspiration secrète avec Mirabeau. Ligué avec Mirabeau. Et bien sûr que j'étais ligué avec Mirabeau. Pardi, pour l'empêcher de faire des bêtises. Croyez-moi, citoyen juré, je savais ce que je faisais. Je n'ai jamais laissé l'avidité ou l'ambition me dominer. Oh, certes, j'ai connu l'une comme l'autre. Nous avons été intimes. Et même j'en ai, à l'occasion, fait mes maîtresses. Mais jamais mon maître. Passez par derrière. Arrangez-vous pour que cela parvienne à Herman, mais soyez discret. Voyons, quel motif ils peuvent avoir de lancer ces attaques et ces calomnies? Limiter sa propre défense. Vous êtes accusé, Danton, d'avoir secrètement et en tout temps favorisé, protégé la monarchie. C'est faux! La monarchie? Redites-moi ça! Redites-le-moi en face! Je vous mets au défi! Danton, un monarchiste? Un monarchiste? Bravo, Jean! C'est pas vrai! Le
est suspendu. Quoi? La cour a besoin de certains délais pour examiner les preuves présentées. Quelles preuves? Il n'y a pas de preuves. C'est ce dont je me plains. Les prisonniers vont retourner dans leurs cellules. Rien ne nous fera taire. Je compte sur vous tous demain. Nous n'aurions jamais dû risquer un procès public. Nous n'avions pas le choix. Il ne doit pas gagner. Il ne faut pas. À n'importe quel prix. Il ne gagnera pas. J'ai ici une déclaration d'un prisonnier du Luxembourg faisant part d'une conspiration entre la femme des moulins et certains aristocrates pour libérer son mari et Danton. C'est tout ce qu'il nous faut, citoyens, pour agir. Quelqu'un a-t-il un commentaire à faire? Très bref. Il s'agit d'un faux si grossier que personne ne peut s'y laisser prendre. Je dois vous rappeler, citoyens, que si Danton est acquitté, il donnera un grand coup de balai dans ce comité et le remplacera par un autre, à sa dévotion. S'il se conforme à la loi, notre devoir est de suivre la loi et d'accepter. Citoyen Robespierre, tu as toujours été, de nous tous, le plus déterminé à respecter la Constitution. Quel est ton avis? Si Danton gagne, cette république qui a survécu à toutes les attaques de toutes les monarchies d'Europe sera détruite de l'intérieur par la corruption. Nous n'avons pas d'autre choix, citoyens. Acceptons le témoignage que Saint-Just nous apporte. Le témoignage. Je propose que le comité annonce à la convention l'existence d'une conspiration pour libérer Danton et ses complices. Et je propose que ce témoignage, étant retenu comme preuve de culpabilité, il soit désormais interdit aux prisonniers de plaider leur innocence en séance publique. Je mets aux voix la proposition de Saint-Just. Proposition est acceptée. Adieu, mon amour. T'es sage, hein? Prends soin d'Horace, maman. Allez. Adieu. Où l'emmenez-vous? Pourquoi? Tu n'as rien fait de mal. Ils vont assassiner ma femme! Elle est innocente, mais ils vont l'assassiner! C'est une parodie de justice. Messieurs, quand un gouvernement tombe à ce niveau, il montre sa banqueroute morale au monde entier!
Il a raison. Je demande aux jurés s'ils ont entendu suffisamment de témoignages. Oui, citoyen président. C'est un mensonge. Vous n'avez rien entendu. C'est la façon de faire de Robespierre, souvenez-vous. Un échafaud est prêt pour Robespierre. Emmenez-les. La loi stipule que le jury prononce son verdict en présence des accusés. En raison du comportement intolérable des accusés, je propose que l'affaire soit débattue en leur absence. La requête du citoyen procureur de la République est acceptée. Il n'y aurait pas eu de révolution sans moi. Il n'y aurait pas eu de république sans moi. Non, vous ne me traînerez pas vers la mort. Je suis vivant, à jamais. Le monde nous regardera et se demandera quel genre d'homme nous étions. Ne laissons pas dire que nous n'étions pas meilleurs que ceux que nous avons chassés. Nous sommes tous condamnés à mourir. Je connais cette cour. C'est moi qui l'ai créée. Et j'en demande pardon à Dieu et aux hommes. À l'origine, elle devait être non pas le fléau de l'humanité, mais un rempart, une dernière instance contre le déchaînement des fureurs, de la brutalité et de la peur. Au lieu de cela, c'est devenu l'assassinat des consciences. Et ceux qui plus tard nous jugeront verront bien que moi, Danton, je n'ai pas voulu cela. Si je parle aujourd'hui, c'est pour défendre ce que nous avons réalisé. C'est pour tout ce que nous avons atteint. Et non pour sauver ma vie. Nous avons brisé la tyrannie des privilèges. Nous avons tué le ver dans le fruit en abolissant ses pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune, et cela dans tous les grands offices de l'État. Dans nos églises, dans nos armées, dans ce vaste complexe d'artères et de veines qui fait vivre ce corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est désormais l'égal des plus grands. Et cette liberté acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. Ceci, c'est plus qu'une victoire dans une bataille. Plus que les épées, les canons et tous les escadrons de cavalerie de l'Europe. Et cette inspiration, ce souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu. Cet appétit, cette soif, jamais on ne pourra l'étouffer. Nos vies n'auront pas été vécues en vain. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre-nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir cette féroce soldat. Thank you.
Sanson, prends cette mèche de cheveux. C'est les cheveux de ma femme. Envoie-les à sa mère. Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. Maintenant. Bien sûr, je n'étais qu'un petit garçon lorsque j'ai rencontré Jean-Jacques Rousseau. Et pourtant, nous avons parlé de Dieu, du destin, du besoin de l'homme d'atteindre quelque chose de plus élevé que lui-même. Dieu sait que j'étais un mauvais catholique. Mais je n'ai jamais failli à ma conviction qu'il existe quelque grande puissance veillant sur nous, protégeant l'innocence, bénissant les vertueux, condamnant les malfaisants. Les hommes ne peuvent pas vivre sans une telle croyance et ne doivent même pas. Essayez. République chérie,
près de cet arbre de la liberté, je vous dis que jamais le monde n'a offert à son créateur un spectacle plus digne de lui que celui de Paris aujourd'hui, en ce jour d'hommage à sa grandeur. Ici, devant son regard, je dénonce tous ceux qui voudraient... Qu'est-ce qui se passe ? Oh, il parle encore. Que vos destinées sont dirigées par une force aveugle et que vos âmes ne sont qu'un souffle de vent qui passe dans le néant après la mort. Il se prend pour le pape. Je ne parle pas d'un dieu que les prêtres défigurent. Le vrai prêtre de l'être suprême est la nature. Son temple est l'univers. Son culte est la vertu. Et le tien, celui des meurtriers. La révolution n'a été qu'une transition. La révolution n'a été qu'une transition. Qu'est-ce qui t'arrive, Robespierre ? La révolution a été une transition entre un règne de crime et un règne de justice. Rassemblés pour exprimer la dévotion du peuple français à l'être suprême. Nous refusons le faux dieu de l'athéisme. Et voici que naît la sublime déesse de la raison. Embrasse-la pour moi! Laissons cette cérémonie nous rappeler que c'est l'être suprême et lui seul qui a le pouvoir de faire naître la peur et le remords dans le cœur de l'oppresseur et du tyran. Vous êtes des faibles et vous ne comprenez rien. La loi de Prairial a été introduite uniquement pour punir une demi-douzaine de traîtres à la Convention. Vous avez exécuté plus de personnes pendant ces deux derniers mois que pendant ces deux dernières années. Moi, j'ai exécuté. Oui, vous. Votre justice. Votre loi. Ou votre absence de justice. Alors, souhaitez-vous voir encore d'autres procès comme celui de Danton? Il n'y a plus de procès. Il n'y a que des exécutions. C'est un mensonge. Vous avez placé vos propres hommes, triés sur le volet, à tous les postes clés. C'est encore un mensonge. Nous avons gagné, Maximilien. Une grande victoire. À Fleurus. Mes ennemis s'en serviront, sans aucun doute, contre moi. Comme de n'importe quoi. Allez, Maximilien, allez. Tout va bien, tout va bien. En qui puis-je avoir confiance? En qui? Sauf vous. Mes amis, mes chers amis, vous seuls, vous êtes ma vraie famille. Mais il est temps de prendre nos responsabilités. Il n'y a plus d'excuses pour les misérables tribunaux de Robespierre ou pour ses attitudes dictatoriales. Puis-je suggérer que nous attendions que le citoyen Robespierre soit de retour parmi nous avant de le critiquer? Ce comité a depuis trop longtemps exécuté ce que le citoyen Robespierre lui commandait. Robespierre est un membre de ce comité, rien d'autre. Comme vous. Et vous. Robespierre n'est pas la République.
Vous ne tourneriez pas par hasard à la modération, l'un des. Et comparé à vous, citoyen, même un chien enragé aurait l'air d'immodéré. Comparé à vous et à votre maître Robespierre, le bourreau lui-même est un ange de tendresse. Vous regretterez ces paroles, citoyen. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir dit plus tôt. Tes remarques sont une insulte. Le citoyen Robespierre est le meilleur parmi nous. Sauf qu'il n'est plus jamais parmi nous. Allez, allez le voir. Et dites au dictateur que ce comité n'est plus désormais son chien docile. Le comité. Pardon. Citoyen président, je demande la parole. Robespierre vient d'arriver. Moi, qui suis né esclave de la liberté, on m'appelle un tyran. Moi qui ai vécu le martyr pour la République, on m'appelle un dictateur. Pourquoi? Qui répand ces mensonges? Qui les avance si délibérément pour vous tromper? On nous dit que la guerre est gagnée et que tout va bien. C'est un mensonge. Vous n'avez rien perdu, il vient juste de commencer. On nous dit que la loi de Prévial et le tribunal révolutionnaire aujourd'hui ou jamais sont des instruments de la tyrannie, alors qu'ils sont tout ce qui sépare la vertu de ces meurtriers. Citoyens, je suis né pour combattre le crime et non pour le gouverner. Allez, allez. Je ne connais que deux parties. Celle des citoyens où brûle dans les cœurs la flamme sacrée de la justice, de la liberté et de la paix. Sans laquelle la révolution n'est rien de plus que la destruction d'un moindre crime par un plus grand. Et celle dont les cœurs sont vides, gouvernés par des forces bestiales de cupidité et de peur, d'ambition et de corruption. Il y a ceux dans les comités qui conseillent le désespoir. Et je vous le dis, citoyens, ouvertement, il y a ceux ici même à la Convention qui les soutiennent. Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyens! Il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la Convention nationale. Citoyens! Je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion. Ce n'est pas le moment. Ce discours incrimine nos deux comités et des membres de cette convention. Robespierre doit nommer ceux qu'il accuse. Des noms. Oui, des noms. 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 Tous les noms. Des noms. Des noms. Des noms. Des noms. Des noms. Nomme-les. Nomme-les. Si t'as le courage. Le mensonge reste indivisible. Il n'y a pas un homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran. Mort au tyran ! 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 Je demande la parole ! Tu n'as plus droit à la
la tribune, Robespierre. Que je l'appelle bon corrompu, bon hors la loi de la société. Maman! Arrière! Ces sièges sont ceux des honnêtes gens que vous avez assassinés. Allez, rentre! Je pense le décret aux voix. Que tous ceux qui sont pour lèvent la main. Accordez! Défendre l'hôtel de ville à tout prix. Ce doit être une forteresse. Et surtout, il faut faire appel à l'armée. L'armée. Installez la barricade. Par ici, soldats. Vive l'armée. Sont réfugiés à l'hôtel de ville. La commune de Paris se déclare en révolte contre nous. Il faut les exécuter sans procès. Un peu de courage, quoi. Et à votre santé, bâtard. Alliez-vous à la barricade. Et vive la République. Parras va conduire nos troupes et prendre le commandement de l'hôtel de ville par la force si nécessaire. Bonne chance, commandant Parras. Merci. Les soldats doivent se battre contre les hommes qui portent le même uniforme. Allez-y. Notez. Nous devons fermer les portes de la ville, interdire tous les journaux, arrêter tous les journalistes et lancer des mandats d'arrêt contre les meneurs de la Convention. Barricadez la porte.
un appel direct à l'armée. C'est notre seule chance. Au moins, nous avons accompli quelque chose. Thank you.
Nous avons brisé la tyrannie des privilèges en abolissant ces pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune dans tous les grands offices de l'État, dans nos églises, dans nos armées, dans toutes les parties de ce grand corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est l'égal des plus grands. Cette liberté que nous avons acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. C'est plus qu'une victoire dans une bataille, plus que les épées, les canons et toutes les cavaleries de l'Europe. Et cette inspiration, ce souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu, cet appétit, cette soif de liberté, jamais rien ni personne ne pourra l'étouffer. Nos vies n'auront pas été inutiles. Nos vies n'auront pas été vécues en vain. We'll be right back.